Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses sur KTO Télévision et KTO Radio. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la Bretagne et plus particulièrement les Côtes d'Armor pour parler du diocèse de Saint-Brieuc. Dans cette édition, nous parlerons de la dernière assemblée diocésaine qui avait pour thème la mission entre inconfort et audace. Et nous écouterons Sandrine Safon, responsable de l'aumônerie de l'enseignement public à l'Oudéac, expliquer sa mission auprès des jeunes. Pour commencer, quelques mots de présentation des Côtes d'Armor, une terre bretonne qui bénéficie d'une façade maritime exceptionnelle de 350 km de Perros-Guirec et sa côte de granit rose à Dinan et la côte d'Émeraude en passant par la baie de Saint-Brieuc et sa célèbre coquille Saint-Jacques. Le département représente la deuxième production agricole de France avec également une filière industrielle agroalimentaire très développée. C'est aussi un pionnier historique dans les télécommunications depuis les années 60, autour de la ville de Lannion où a été inventée la première transmission télé par satellite par exemple. Pour parler du diocèse de Saint-Brieuc, je reçois Mgr Denis Moutel. Bonjour Mgr. Bonjour. Je vous ai présenté comme évêque de Saint-Brieuc et Tréguier. On y reviendra. Tout à fait, pour honorer la partie du Trégor. Comment, Mgr Denis Moutel, est-ce que vous pourriez nous décrire votre diocèse en quelques mots? Je viens de parler du territoire, parlez-nous un peu du diocèse. En évoquant le territoire, vous avez dit que c'était un beau territoire, terre et mer. La ville préfectorale et épiscopale, l'évêché, est à mi-distance de toutes les régions du diocèse, si bien que, mais c'est peut-être symbolique de ce qui se passe très souvent, nous nous portons assez facilement les uns vers les autres finalement. Il n'y a pas de grande distance, il y a des voies de communication très, très aisées, très, très faciles à emprunter. Et je crois que une des marques des diocésains, des habitants des Côtes d'Armor, c'est d'aimer se rencontrer. D'aimer se rencontrer, parfois avec un peu de rigueur ou de rugosité, ça peut arriver. Hein. On aime aussi défendre une idée, une manière de vivre, un art de vivre. Mais on aime se rencontrer. On aime découvrir le pays aussi, la mer, l'agriculture, la pêche, les technologies, comme vous en avez parlé. On va découvrir avec vous, mieux découvrir ce diocèse de Saint-Brieuc. Au début de cette émission, quelques dates pour mieux connaître votre parcours, Mgr Denis Moutel. Vous êtes donc évêque de Saint-Brieuc et Tréguier depuis 2010. Né en 1952 à Anceny, en Loire-Atlantique, vous avez été ordonné prêtre en 1977 pour le diocèse de Nantes. Parmi toutes vos missions, vous avez notamment été vicaire général du diocèse de Nantes de 2004 à 2010 et vous êtes actuellement le président du conseil financier et président du conseil pour les affaires économiques, sociales et juridiques de la conférence des évêques de France, une appellation qui va changer dans les prochains mois puisqu'une réforme est en cours. Votre devise épiscopale, elle vient de la lettre de Paul aux Colossiens, puisque vous êtes aimé de Dieu. Pour commencer cette émission, tout simplement, comment allez-vous, Mgr Denis Moutel? Comment a commencé cette année? Je crois que je vais bien. Je suis tellement heureux de venir à KTO qu'en l'absence de train, je suis venu vous rejoindre en voiture. Merci de ce qui représente une certaine fatigue, mais non, je crois que je vais bien. C'est toujours l'effet d'une confiance, hein, parce que voilà, il n'y a pas de certitude dans ce domaine-là. C'est à la mesure de ce que nous disent les personnes aussi. « Oh, vous avez l'air un peu fatigué, il faut penser à vous reposer. Venez nous voir pour vous détendre, passer une soirée, etc. » Le premier moment de la bonne santé, c'est celui que j'ai pris ce matin en priant pour tous les diocésains. Et pour vous, c'est le temps de la prière aussi. Hein. C'est un tout. On est corps, âme, esprit, la santé. On ne peut pas être découpé en tranches, voilà. Mais ça va bien. Vous disiez que c'est aussi dans les rencontres, vous avez repris les visites pastorales. Alors depuis toutes ces années où vous écumez le diocèse, qu'en apprenez-vous encore ? Alors demain, je pars en visite pastorale dans le pays de Guingamp, les paroisses du pays de Guingamp. Et trois mots me viennent à l'esprit quand je vais visiter les paroisses, les personnes, les secteurs professionnels éducatifs parfois, mais aussi l'organisation pastorale du diocèse. C'est s'approcher, écouter, encourager. Voilà. Avant d'encourager, avant d'arriver avec des choses peut-être trop sûre d'elle-même, il faut commencer par s'approcher doucement,
parce que les champs, les personnes ont vécu ici depuis bien longtemps avant moi, vous voyez. Il y a toute une épaisseur historique qui fait leur richesse, leur bonté, leurs difficultés parfois. Et puis écouter, oui, et encourager. Donc, mais il y a de nouvelles formes de visite aujourd'hui. Hein, qui sont d'abord, je veille à ce que je sois entouré, accompagné pour une visite pastorale par des collaborateurs, parfois par un service diocésain. Ce n'est pas l'évêque tout seul. Je veille aussi, il y a plusieurs dimensions, vous savez, dans une visite pastorale. Il y a la dimension de découverte d'une école avec les enfants qui nous accueillent très joyeusement, il faut bien le reconnaître, ou bien d'un secteur d'une ferme, ou bien d'un port de pêche, là ça ne sera pas le cas. Mais il y a aussi, après, la dimension pastorale. Comment on s'efforce ici, là, d'être missionnaire, de ne pas rester sur des acquis du passé ou sur des habitudes, mais comment nous essayons de sortir à la rencontre de ceux vers qui Jésus nous envoie. Voilà, hein. Donc il y a plusieurs dimensions. Vous nous avez proposé d'assister le 25 novembre dernier à l'Assemblée diocésaine au sanctuaire Notre-Dame de Toute Aide à Kérien, qui avait pour thème la mission entre inconfort et audace. 80 personnes ont réfléchi ensemble à la conversion pastorale et missionnaire à laquelle tous les fidèles sont invités, prêtres comme laïcs. Manière d'exercer le ministère pour les prêtres, accueil des personnes éloignées de l'Église, retour sur la démarche kérigma. À partir de quelques témoignages, les chrétiens engagés dans la mission du diocèse évoquent de nouvelles pratiques missionnaires, comme l'a constaté notre reporter Ophélie Marien. Pour cette troisième assemblée diocésaine, 80 personnes se retrouvent à Kérien, au sanctuaire Notre-Dame de Toute Aide. Alors dans le cadre de la réflexion au niveau du diocèse, du renouveau pour la mission, nous avons pris la décision depuis quelques années d'avoir au moins une fois par an une assemblée diocésaine, donc qui rassemble des délégués des différentes paroisses, des délégués des services, des mouvements, avec cette idée importante que ce soit d'abord un lieu d'échange, un lieu de dialogue, et puis que l'évêque et son conseil puissent entendre ce qui se dit, ce qui revient avec force, pour ensuite être aidé dans la réflexion au niveau des grandes orientations pour le diocèse. Répartis en tablée, les fidèles de différentes paroisses réfléchissent ensemble à de nouvelles pratiques missionnaires. Donc on a la chance à l'Ombal d'avoir déjà les paroissiens très ouverts et pour certains qui ont le charisme de repérer les nouveaux visages, d'accueillir ces nouveaux paroissiens. Maïlis et Angèle partagent des initiatives vécues dans leur paroisse de l'Ombal depuis 2 ans. On est parti sur des nouveaux arrivants, des paroissiens qui sont arrivés. Donc il a fallu créer des liens d'amitié. Et c'est par la proximité avec les gens, par la connaissance, qu'on a pu monter des nouveaux projets. Les fruits, c'est qu'on sent qu'il y a vraiment une fraternité qui s'installe. On sent que les gens sont heureux parce qu'on sent qu'il y a vraiment un accueil. En étant unis au niveau de la paroisse, on arrive à toucher aussi plus de personnes un petit peu plus éloignées de l'Église et leur dire, on vous est attendu. L'Église aussi a envie de prendre soin de vous et vous appelle. En novembre 2022, dans sa dernière lettre pastorale, Mgr Moutel avait proposé des actions concrètes à mettre en place dans les paroisses. Une intuition forte concerne la répartition des tâches entre laïcs et prêtres, pour que ces derniers puissent se recentrer sur l'annonce de l'Évangile et la proximité avec les personnes. Dans ma mission de curé actuelle, j'ai un échange très heureux avec des délégués pastoraux qui prennent leur place et même qui me pousse à leur demander des choses, à les inviter à déléguer là où moi je pourrais avoir peur de le faire. C'est essentiel pour la mission parce que je vois bien que ça me mange du temps que je ne peux pas te donner pour écouter les gens, pour aller rencontrer les gens, pour être présent là où c'est vraiment dans mon ministère de prêtre d'être. À la fin de cette assemblée, pas de solution miracle ou de recette toute faite pour la mission, mais une grande joie pour les participants. On ressort complètement renforcé, dynamisé pour continuer et pour rechercher encore d'autres moyens de rejoindre les gens. On a bien sûr parfois certaines difficultés à recruter des bénévoles, c'est notre point faible, mais on sait qu'on est au service de l'Église, au service de Dieu et que c'est là notre foi qui nous guide. C'est vraiment Jésus qui nous unit et qui est notre guide et c'est notre force. On l'entendait dans certains des intervenants, cette assemblée diocésaine, c'est vraiment retour au centre pour pouvoir ensuite repartir dans la mission quotidienne.
Alors nous poursuivons sur une dynamique qui a été fort intéressante avec le synode diocésain entre les années 2015 et 2017. Et puis le pape François nous a appelés à nous réunir en petits groupes, en fraternité, en assemblée diocésaine déjà. Et là, l'assemblée diocésaine, nous avons décidé de la poursuivre au moins une fois par an. Alors il y a ce mouvement effectivement vers l'intérieur, voire l'intériorité, du ressourcement de tous et chacun au contact de la parole de Dieu pour partir, pour sortir, pour... Je pense un peu à Marie finalement, la très sainte Vierge Marie. Dans l'Annonciation, il y a l'écoute du message. Il lui est dit ce qu'elle sera et ce qu'elle fera et ce qu'elle donnera. Et puis ensuite, elle part en visitation. Donc il y a le ressourcement dans la parole de Dieu pour la visitation, visitation de proximité. Voilà. C'est lié aussi, je pense, au fait que nous avons tout de même de vastes territoires, moins de force, au moins du côté des prêtres, on en parlera peut-être. Et donc j'aime pas trop parler des blancs ou des trous dans la raquette, mais donc peut-être des personnes que nous risquons d'oublier. Ceux qui ont la chance de pouvoir se retrouver dans un centre, on va dire, plus vivant, plus accueillant, ressourçant aussi, c'est vrai que c'est bon d'aller ensemble dans des visitations de proximité auprès de personnes qui peut-être voient moins de monde, etc., ou pour les écouter aussi. Enfin, ne pas s'appuyer simplement sur le centre, mais aussi garder le souci de tous, quoi, de tous ceux qui pourraient se sentir perdus ou isolés. On a entendu dans le reportage Hervé Guévelou, qui est nommé comme délégué général. Vous avez décidé d'élargir le cercle de vos collaborateurs en créant cette mission qui est distincte de celle du vicaire général. Ça rejoint ce qu'on voit dans d'autres diocèses. Qu'est-ce qui vous a motivé dans cette nomination, dans cette nouvelle fonction? Alors ça, c'est formidable. Ce n'est pas formidable parce que ce serait un gadget, hein, un habillage de mots. Mais les mots parlent bien tout de même. Dans général, comme vicaire général, il y a l'idée que c'est une personne de grande qualité, hein, Hervé, qui peut porter par délégation, alors c'est l'autre mot, délégué général, qui peut porter finalement tout ce qui est confié, tout ce que l'évêque doit s'efforcer de vivre, hein, dans la sanctification, dans l'annonce, dans le gouvernement aussi. Dans le gouvernement, bien sûr. Et donc ça élargit, hein, les possibilités, ça donne un bras de plus à l'évêque. Finalement, j'avais un bras droit, j'ai toujours, hein, avec le vicaire général, Hervé Levezouette, j'ai mes deux Hervé, et il s'appelle Hervé Guévelou, mon bras gauche. Et nous formons une bonne équipe, nous nous rencontrons chaque semaine en trio. Et puis il y a aussi un quintet, hein, avec l'économe diocésain et puis la responsable des ressources humaines, pour faire le point, pour que chacun soit à niveau du point de vue de l'information. Bon, il y a l'idée, bien sûr, c'est pas qu'une idée, ça devient une réalité, de faire participer, de rechercher les charismes. Hein. Et là, il y a quelqu'un, une personne, et puis il y en a d'autres, hein, qui ont des charismes d'écoute, de compréhension, d'intelligence, de dynamisme. Et la synodalité, c'est ça aussi. Hein. Ce n'est pas faire participer tout le monde n'importe comment, c'est rechercher aussi les bonnes personnes aux bons endroits. Et j'en suis très content. Vous disiez l'importance d'aller rejoindre chacun là où il est. Il y a eu la deuxième édition de la Cousinade à la mode de Bretagne qui a été organisée à Quessoix en octobre dernier. Et c'est la grande famille de l'Église catholique qui l'a proposée. Pourquoi une telle proposition ? Alors, à vrai dire, il faudrait demander aux jeunes familles sur le pourquoi. Un jour, des plus jeunes, 30, 35 ans, 40 peut-être, avec des jeunes enfants, nous ont dit on voudrait apporter quelque chose, enfin, on voudrait prendre notre part, prendre notre place. Et puis, mais faites-nous confiance. Bon, d'accord, ok, allez-y, vraiment allez-y. Et de fait, il faut faire confiance parce que 8 ou 15 jours avant, on ne sait pas tout à fait dans le détail comment ça va se passer. Ce qui correspondrait davantage à ma génération, tout de même, d'anticiper, de prévoir, de programmer, de cadrer un peu les choses, de programmer. Et puis, en fait, ça donne une sorte de grande fête. C'est une fête avec des jeux pour les enfants. Il y avait le mur d'escalade, il y avait le bubble foot là où on se met dans une. On voit quelques images derrière. Oui, j'ai pu. Hein, et j'ai pas essayé parce que c'est quasiment impossible pour moi de me relever dans ces cas-là. Mais aussi des échanges, des tables rondes sur des thématiques de l'Église ou de la société. Il y en avait une par exemple sur le rebond dans le domaine du travail, lorsqu'on a malheureusement perdu son emploi. Comment rebondir, etc. Et puis une célébration sous chapiteau. Alors ça, c'est original.
cardinal. On va d'aller à la messe comme si on allait au cirque. Hein. Parfois, la messe, ça peut être le cirque, mais si on en retient la joie, alors c'est une manifestation de cette église famille, cette église fraternelle. Voilà, église famille, église fraternelle. Alors, il y a d'autres bonnes surprises comme ça qui sont la marque de beaucoup de diocèses, mais je me réjouis que ça existe. Et hier dimanche, je me trouvais à ce qu'on appelle la journée des futurs mariés. Et c'est formidable, il y avait 39 couples, hein, donc multipliés par deux, voilà, ça fait près de 80, qui, et avec des couples témoins et avec des couples parrains, et ça fait maintenant partie de leur itinéraire de participer à cette journée qui est vraiment fortement, et ça peut nous étonner, fortement, on pourrait dire kérigmatique, puisque nous étions aussi à Kérigma, très heureux d'y être, c'est-à-dire on annonce le mystère du Christ. Et des couples disent, avec sans trop se vanter, hein, avec leur parcours éprouvé, éprouvant parfois, mais comment la présence du Christ a été pour eux l'appui, le soutien, leur trait d'union. Nous sommes allés à la rencontre de l'APALOU, l'association des parents de l'aumônerie de l'enseignement public à Loudéac. Dans des locaux rénovés en 2022, des jeunes du collège et du lycée sont accueillis pour les vendredis dynamiques. Au programme, jeux, repas convivial, prières et témoignages de foi. Explication par Sandrine Safon, responsable de l'aumônerie de l'enseignement public à Loudéac. Alors ici, on est à la maison de l'aumônerie qui s'appelle l'APALOU. Et une fois par mois, on organise avec l'équipe de bénévoles et moi-même un vendredi dynamique. C'est-à-dire qu'on accueille des jeunes à la sortie du collège et du lycée, donc c'est plus pratique pour les parents, pour le transport. Ce soir, le thème de la soirée, c'est un retour sur les JMJ à Lisbonne. Trois grands jeunes qui ont participé viennent témoigner. On pense que c'est important justement qu'il y ait ces témoignages de jeunes, comme on en a eu il y a quelques mois sur des jeunes filles qui avaient été hospitalières à Lourdes, ou comme on en aura en février sur d'autres jeunes qui ont été à Thésée. Et du coup, en fait, à chaque fois, c'est pour montrer aux plus jeunes ce qu'il est possible de continuer à vivre, justement, pour cheminer dans la foi, pour découvrir des lieux et continuer, finalement, à faire des rencontres et à avancer, hein, que ça ne soit pas toujours, finalement, nous, les adultes, qui leur disions « bah oui, c'est bien, tu devrais y aller ». Finalement, le témoignage de grands jeunes qui sont, à leur tour, des aînés dans la foi, est très riche et très porteur. Il y a peu de filières longues pour les étudiants dans les Côtes-d'Armor. C'est au collège et au lycée que se tisse le lien de l'Église avec les jeunes costa-armoricains. Vous avez raison, c'est très important. Et c'est là que l'on peut les accueillir, les recevoir, les accompagner. Avec, comme le fait Sandrine Safon, qui aime beaucoup les jeunes, elle le fait depuis longtemps. On voit des locaux magnifiques. Oui. Il y a eu un investissement important là, à Loudéac pour l'aumônerie, pour un local jeune. Moi, j'aime beaucoup aussi ces rencontres avec les jeunes. La semaine dernière, j'ai rencontré, alors cette fois-ci, des jeunes professionnels, dont certains étaient allés au JMJ. Et ils m'ont demandé de leur parler de Vatican II. Bon, ils n'en savaient pas grand-chose, mais ça a été tout à fait passionnant pour recevoir leurs questions. Je suis assez saisi en ce moment par la curiosité, la soif des jeunes. Comme tous les évêques, je reçois en ce moment des lettres et des demandes de baptême, des trois sacrements, à vrai dire, de l'initiation chrétienne. Et pour la nuit de Pâques. Oui, pour la nuit de Pâques. Nos chiffres sont moins importants que dans des grands diocèses. On a une trentaine d'adultes qui seront baptisés, confirmés, eucharistiés. Mais il y a 20 jeunes lycéens. Et il y a une sorte de progression d'année en année, là, très forte, du nombre des jeunes qui demandent les sacrements de l'Église. Bon, eh bien, il faut être là pour les accueillir. Et puis, il ne faut pas avoir peur d'être avec eux, d'être nous-mêmes aussi avec eux, hein, parce que je ne veux pas cacher mon grand âge auprès des jeunes, ça se voit tout de suite. Mais d'être heureux de parler avec eux et de répondre à leurs questions, ils en ont plein. Vous avez eu la joie d'ordonner plusieurs prêtres ces dernières années. Quelle leçon est-ce que vous tirez de la démarche de renouveau presbytéral de la mission des prêtres qui a été menée pendant 4 ans jusqu'en 2022 avec le diocèse de Quimper? Alors vous l'avez dit, c'est une grande joie d'avoir ordonné 5 prêtres en quelques années.
Peut-être que le premier enseignement, justement, puisqu'ils sont devenus prêtres quasiment ensemble, c'est de leur permettre d'être ensemble de façon plus résolue, plus déterminée. Et que même, ils veillent d'ailleurs aussi, d'être ensemble, ça ne veut pas dire être nommés exactement au même endroit, mais de pouvoir, pour une partie de leur ministère, porter en commun quelque chose de la mission. Par exemple, se porter ensemble sur un même territoire ou auprès des jeunes que nous évoquions tout à l'heure, ou porter ensemble quelque chose de la pastorale des jeunes. En tout cas, ce qui ressortait de cette très belle démarche que nous avions eue avec les prêtres du Finistère, c'est que pour bien respecter la dignité baptismale, le baptême de tous les fidèles, les diacres aussi, eh bien, il faut aussi être bien soi-même. Il faut être à l'aise dans ses baskets de prêtre pour pouvoir aller marcher sur les routes de la mission. Une dernière question avant de passer aux questions de terrain, Mgr Denis Moutel. Vous m'avez parlé de belles figures de sainteté à découvrir, Claude et Marguerite de la Garée. Dites-nous pourquoi est-ce que ce sont des figures inspirantes pour aujourd'hui, comme on dit, puisqu'ils ont vécu à la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe siècle. Voilà. Ils sont décédés en 1755, l'un tout près de l'autre, et ils ont vécu une partie de leur vie, leur jeunesse, au XVIIe siècle. Près de Dinan, ce sont deux figures magnifiques. Ce sont donc des laïcs, des époux. Et le pape Jean-Paul II, à Saint-Andoré en 1996, les avait donnés en exemple, comme il avait parlé d'eux comme les époux charitables Lagaret. Ils avaient une vie de château, une vie avec la chasse, avec les soirées mondaines, légères, que donnait Madame de Lagaret. Et puis, il y a une conversion extrêmement rapide, et ils ont gardé le château. Mais ils l'ont ouvert et ils ont accueilli 40 personnes pauvres et malades. Et ils se sont formés en médecine. Ils sont allés à Paris en chirurgie, en ophtalmologie. Il y a des livres encore dans les bibliothèques des universités, des facultés de médecine qui portent encore le nom de Lagaret comme des gens géniaux qui, dans la pratique, ont inventé des choses nouvelles. Alors, belle figure parce que la vénération n'a pas cessé de leur mémoire. Donc, par chance, j'ai pu trouver un postulateur avec un dominicain qui connaît bien tout cela, tout ce qu'il faut faire. Et donc, c'est une cause de béatification. C'est une à cause suivre. Qui peut-être va être. Dont je vais peut-être entretenir mes frères évêques bientôt à Lourdes, on verra. Alors, je vous propose la dernière séquence, Mgr Denis Moutel, les questions de terrain. Une première question de Jean-François, qui est membre de la chorale et de l'équipe de préparation au baptême à Tréguier. Bonjour Monseigneur. Ma question est, quel est votre plus beau souvenir depuis que vous êtes évêque de Saint-Brieuc et Tréguier ? Merci Jean-François pour cette belle question. Le beau souvenir, je crois, un des très beaux souvenirs, c'est le grand pardon de Saint-Yves. Pourquoi ? Parce que j'y retrouve Jean-François et beaucoup d'autres, mais aussi parce que je marche avec le peuple de Dieu, je marche avec l'histoire qui nous précède et qui nous porte, et puis que Saint-Yves est une si belle figure d'attention aux pauvres et de protection juridique, enfin de l'accès aux droits pour tous, pour les plus pauvres. Donc vraiment, ça demeure, ça reste, ça revient tous les ans, mais ça demeure un très beau souvenir. On a une autre question de Nicolas qui est parti au JMJ avec le diocèse de Saint-Brieuc. Bonsoir Monseigneur. Je voulais savoir d'où est venue votre vocation et pourquoi avoir choisi ce parcours. Je vous remercie. Voilà, merci Nicolas pour ta question. Quand j'étais enfant puis adolescent, c'est quand j'ai compris que lorsqu'on se mettait un petit peu au service des autres, alors c'était pas trop difficile parce que j'avais 6 frères et 1 sœur, j'ai toujours, on est très heureux d'être là. Et donc, voilà, le service de la maison, de la salle à manger, j'étais un peu grognon quand fallait le faire. Et je me suis rendu compte que si je le faisais avec une certaine joie, si je le faisais comme il fallait, ça me rendait heureux. J'ai compris peut-être ce que dit saint Augustin, excusez-moi du rapprochement et un peu audacieux, mais celui qui aime connaît Dieu. Voilà. Et j'ai eu envie de, petit à petit, c'est venu, mais c'est vraiment important qu'il y ait des personnes qui fassent connaître Jésus. Et je me suis dit, bon, c'est pas pour moi, c'est pour d'autres, quoi, d'être prêtre. Et puis c'est revenu. Et puis un jour, quand j'étais en terminale, un peu avant, entre la première et la terminale, quelqu'un m'a dit, mais je te verrai bien prêtre. Ah bon ? Et alors, c'était étonnant parce que c'était la conjonction, la rencontre entre une question, un cheminement intérieur et puis une question qui m'était posée par quelqu'un d'autre à l'extérieur. Donc j'ai dit, c'est peut-être pas idiot, il faut que je regarde de plus près.
Et voilà prêtre et puis voilà. Évêque. Une dernière question, Monseigneur, de Bertrand, qui est membre de la Mission de France. La question que j'ai envie de poser, c'est effectivement quel peut être l'avenir du christianisme dans des terres comme celle du centre-Bretagne, terre déchristianisée. Et puis voilà, qu'est-ce que ça veut dire être missionnaire sur des territoires comme cela ? Merci pour cette question. Je connais la communauté de Mission de France à Lannion. C'est difficile parce que nos forces nous manquent parfois, ou les idées, ou l'imagination, ou le courage. Mais je pense que ça commence sans doute par aller voir les gens, aller parler avec les gens, et donc saisir sans doute davantage d'occasions d'être auprès d'eux, au milieu d'eux. Même si on n'est pas nommé tout près, par exemple du centre-Bretagne, mais j'ai un bon souvenir de la découverte qu'ont fait les prêtres actuellement à Rostronin du vaste territoire qui leur est confié. C'est avec eux que j'ai fait une visite pastorale. Et ça a consisté à aller ensemble, parler avec des gens, rencontrer des personnes. Donc on ne sait pas ce que ce sera. Mais ça commence sûrement par aller vers des gens, les écouter, écouter leur vie parfois difficile, parfois dure, et puis écouter leur soif spirituelle. Merci beaucoup, Monseigneur Denis Moutel, d'être venu sur le plateau de KTO. On a compris que ça a été en dépit des problèmes de transport. Donc, merci d'être venu. Pour en savoir plus sur l'Église catholique dans les Côtes d'Armor, vous pouvez consulter le site internet saintbrieuc-treguier.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.